On va dire que voilà, j'ai accordé beaucoup d'importance à cette course parce que nous, on n'a pas l'occasion de faire des courses comme ça toute l'année. Et après, voilà, c'est des courses où faut, voilà, c'est important aussi pour nous parce que c'est pas très loin du service course. Et... Après, voilà, on va dire le petit souci qu'on a eu, c'est le fait qu'on soit fait voler les vélos. Et... Ah, moi, ça m'a un petit peu déçu parce que voilà, là, je suis sur un vélo, c'est, ça me change tout. Et voilà, après, quand on est coureur, on va dire de haut niveau, bah, tous les moindres petits réglages, on les ressent. Donc après, voilà, même ça a mis un petit coup, on va dire un petit coup au moral aussi, un petit peu, parce que bon, tous les sacrifices à l'entraînement et tout ça, ils ont été gâchés par ça. Et on vient, entre guillemets, piquer les, on va dire, les plus pauvres de la course. Donc après, c'est un petit peu, je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu lamentable, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on essaye quand même de faire la course. On a, il y a Jérémy qui marche, Jérémy Bescon qui marche très très fort dans les bosses. Aujourd'hui, il a essayé de partir à 4 km du sommet. Et bon, après, voilà, c'est rentré, c'est dommage parce qu'on bascule à, on va dire, une petite quinzaine à peu près. Après, il y en a qui sont rentrés dans la descente. Et du coup, on arrive dans le peloton. On voulait essayer de faire le sprint. Bon, après, ça a, c'est tombé en deux fois. Il y en a un qui est tombé, je dirais, à 700 mètres, je pense, à Rabouban. Et après, il y a Pierrick Kemener qui est tombé dans le bon point, un qui a déraillé à la sortie. Ça a été un peu, on va dire, rouleux, on va dire, le sprint.